C'est au nom du Seigneur que nous sommes invités cet après-midi à vivre ce culte de consécration d'un nouveau pasteur. C'est le Seigneur, bien sûr, que nous célébrons vivant au milieu de nous. Le Seigneur nous reçoit, il nous engage dans son œuvre, il nous a choisis le premier. Amen. Nous voulons, vous pouvez prendre place. Nous voulons continuer à louer le Seigneur. Il paraît que la sagesse ne consiste pas à prendre position, mais à regarder où l'on est posé. La louange consiste à remercier Dieu pour l'endroit où il nous a placés. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, tu nous as placés dans un monde préparé avec soin. Jour après jour, tu as organisé notre environnement comme des parents préparent et arrangent la chambre de l'enfant à naître. Et avec les yeux de cet enfant, lorsque nous parcourons ce monde que tu as créé, ses saisons, ses paysages, ses continents, lorsque nous rencontrons les personnes que tu as mises à nos côtés, parents, amis et compagnons, nous découvrons combien tu nous aimes. Nous voyons le bonheur que tu veux pour nous, et cela nous remplit de reconnaissance. Seigneur, merci pour ce monde que tu as créé si beau. Merci pour ton amour et merci pour les bergers que tu mets pour conduire le troupeau. Bénis-nous tous et béni sois-tu, Père, pour toutes tes bontés. Au nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier cantique qui est sur le petit programme que vous avez. Je louerai l'Éternel. Nous chantons toutes les strophes indiquées.
ce culte, nous allons procéder à la consécration pastorale de Lucien Philippe Barreva. Parlons brièvement ce que implique cet acte liturgique. L'Église reconnaît que Lucien Philippe Barreva a été appelé par Dieu au ministère pastoral et rend grâce à Dieu avec lui pour l'initiative qu'il a prise de lui adresser cette vocation que nul ne pourra lui retirer. L'Église met à part ce frère pour ce ministère pastoral que notre tradition remontant à la réformation du XVIe siècle appelle ministère de la parole et des sacrements. L'acte liturgique que nous allons vivre a ainsi le sens d'une consécration soulignée par les gestes symboliques de l'imposition des mains qui signifie une mise à part pour le service de Dieu. L'Église reconnaît qu'elle n'existe et ne vit que par la proclamation de la parole de Dieu et la célébration des sacrements, et que Dieu lui-même pourvoit son Église des ministres de la parole et des sacrements qui lui sont nécessaires et essentiels. L'acte liturgique que nous allons vivre a ainsi également le sens de l'installation, car par celle-ci, l'Église reconnaît et déclare que Dieu insère lui-même ce frère dans ce ministère qu'elle a ordonné dans son Église. Telle est notre tradition réformée, originelle. En aucun cas donc, notre Église ne considère que cette consécration séparerait le pasteur du peuple de l'Église, le plaçant au-dessus de celle-ci. Mais qu'elle lui confère la responsabilité essentielle d'être serviteur de la parole de Dieu au sein de la communauté, en vue de son édification et de son témoignage. Les pasteurs, les anciens et les diacres sont les trois ministères reçus et reconnus par notre tradition réformée. Maintenant, nous écoutons. Gérer toute la création. Parmi tous
sa miséricorde, sa justice, et d'être l'expression de son dessein ultime pour sa création. C'est pourquoi il appela Abraham pour être le père de ceux qui croiront un jour en lui. Il voudra sa vie pour l'accomplissement des promesses. Il délivre l'Égypte, son peuple Israël. Il l'appelle à être à lui. Il choisit Moïse et Aaron pour qu'ils aident le peuple à vivre dans la fidélité à l'appel divin. C'est ainsi que, par amour et par compassion, Dieu se cite des anciens, des juges, des prophètes et des prêtres, ainsi que des rois, non pas pour dominer, mais plutôt pour être des serviteurs. Selon la confession de l'Église, ces charges spéciales et ces ministères trouvent le plein accomplissement dans la venue du Messie, Jésus de Nazareth. Lui, qui est l'image du Père dans son nom, se choisit une communauté pour annoncer les autres faits de Dieu et pour être son corps sur terre. Dans cette communauté, certaines personnes sont investies d'une charge. Les Écritures de la Nouvelle Alliance témoignent des nombreux dons de l'Esprit et de la diversité dans la communauté chrétienne. Ce sont autant de reflets de la richesse de Dieu lui-même. Cette diversité dans les dons doit servir au salut de chacun. Pour que la communauté reste fidèle à l'appel qui lui a été adressé lors de la Nouvelle Alliance, Dieu se cite en son sein ceux qui sont comme des exemples à suivre. Apôtres, ainsi que prophètes, évangélistes, bergers, enseignants, anciens, surveillants et diacres. L'enseignement biblique prévoit dans l'Église l'exercice de ces dons si diversifiés. À son tour, l'Église protestante unie de Belgique accueille et reconnaît trois ministères, pasteur, ancien et diacre. Elle confie à ses pasteurs la prédication de la parole, la célébration des sacrements, l'accomplissement des actes ecclésiastiques, la cure d'âme, la catéchèse et la formation permanente. Avant de continuer l'engagement, maintenant, nous chantons ensemble, ensemble, cantique 682.
ministère pouvait me joindre et que le pasteur devrait être à côté de moi aussi. Aujourd'hui, Michel finit par être dans la communion de l'Église universelle. Nous reconnaissons le ministère pastoral auquel le Seigneur t'a appelé. Nous t'accueillons comme une envoyée du Christ au sein de l'Église protestante de l'île Belgique pour y exercer le ministère de pasteur. Ce ministère de la parole et des sacrements est essentiellement lié à la nature et à la mission de l'Église. Il se reçoit une fois pour toutes, même s'il peut s'exercer dans des fonctions diverses au sein de l'Église. Monsieur Philippe Rapper, es-tu prêt à accepter ce ministère? Oui, avec la grâce de Dieu. Mon frère, Monsieur Philippe Rapper, nous t'invitons maintenant à prendre les engagements que l'Église de Jésus-Christ entend de toi. Le Seigneur t'appelle à être vigilant et persévérant dans la prière. En effet, Jésus de Nazareth a cherché lui-même son inspiration dans leur communion. C'est pourquoi toi, tu te soumettras à une discipline personnelle et quotidienne d'études, de méditation et de prière, afin que l'Église puisse en recevoir les bienfaits. Es-tu prêt à te soumettre à une telle discipline? Oui, avec la grâce de Dieu. Le Seigneur t'appelle à transmettre l'Évangile conformément à l'esprit des Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, par la prédication, par l'enseignement, par la célébration du baptême, de la scène et aussi par l'exemple d'une vie consacrée. En effet, Dieu nous l'a rendu capable d'être ministre de nouvelle alliance, non de l'être titu, mais l'esprit qui va venir. C'est pourquoi tu veilleras à ce que ton enseignement n'engendre pas la contrainte, mais que tu sois porteur de l'esprit de l'amour qui vivifie et libère, sans t'attacher à des formules conditionnées par les discours et les mentalités ambiantes. Ton enseignement s'exercera en communion de foi avec notre Église et dans le respect des grands principes de la réforme. Est-ce bien ainsi que tu comprends ton ministère? Oui, avec la grâce de Dieu. Le Seigneur t'appelle à secourir toute personne qui sollicite ton assistance morale et spirituelle, quel que soit le lieu, le moment ou la circonstance. En effet, Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu en faisant le bien. Voilà pourquoi tu iras de maison en maison, visiter tes frères et sœurs en partageant leur joie et leur peine. Tu porteras une solution particulière aux isolés, aux affligés, aux blessés, aux malades et aux mourants. Tu seras discret dans tes propos et tes gestes et tu garderas secrète les confessions que tu recevras. Es-tu prêt à accepter ce service? Oui, par la grâce de Dieu.
Le Seigneur t'appelle à être attentif pour écouter et comprendre tout homme, toute femme, quel que soit leur couleur, leur origine, leur opinion. Jésus de Nazareth dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi tu chercheras la vérité avec ceux qui le cherchent. Tu le verras dans l'humilité et dans l'amour, afin de dégager de tout dialogue sincère et constructif la parole de vie qui donne la paix et la joie. Es-tu prêt à t'ouvrir ainsi envers ton prochain? Oui, avec la grâce de Dieu. Le Seigneur t'appelle à t'engager pour l'unité des chrétiens, dans l'église locale comme dans l'église universelle. Jésus de Nazareth a prié que tout soit un, afin que le monde croit. C'est pourquoi tu respecteras les différentes confessions dans l'église et les différentes manières de vivre la foi, pour que l'unité travaille la création entière de manière efficace. Es-tu prêt à t'engager en ce sens? Oui, avec la grâce de Dieu. En conséquence de tes engagements, et conformément à l'usage de l'église primitive, nous allons procéder dans quelques instants à ta consécration. Nous allons voir la prière et l'imposition des mains. Mais d'abord,